va être bien ici. On devrait peut-être se faire deux salles d'essayage. Mais non, voyons donc. On perdrait tout l'espace qu'on vient de gagner. Écoute, si tu trouves qu'on a vraiment trop d'espace, on peut toujours considérer la proposition de Marguerite puis vendre ses modèles ici. Lydie, on se tirerait dans le pied. On est déjà assez deux designers ici, c'est bien assez. T'as raison. D'autant plus qu'on a un autre dans la place qui a pas mal de talent, hein? As-tu déjà vu ce que Kim dessine? Ouais, c'est pas pire. Pas pire, c'est mieux, pas pire, c'est pas mal bon. Puis elle, elle jouerait pas dans tes plates-bandes, c'est des vêtements de détente qu'elle fait. C'est quoi, là? Tu veux produire les modèles de Kim? Ben, je sais pas, j'aimerais ça, tâter le marché un peu. J'ai l'impression que c'est pas juste le marché que t'as tâté, toi. Isabelle, tu me prêtes tout le temps des mauvaises intentions. Oh, je m'excuse, Simon. Non, non, on pourra en parler avec Jasmine. As-tu eu des nouvelles d'elle? Oui, mais disons qu'elle était pas dans une phase très communicative. Penses-tu que je devrais aller la voir? Non. T'as connais? Quand elle va avoir besoin de nous autres, elle va retomber. Oh, je sais bien. Ça m'inquiète pareil. Ah, mais t'as pas fini de t'inquiéter pour elle? Ses histoires finissent tout le temps à mal. Hey, dis pas ça. Elle va finir par trouver le bon. Ah oui, tu penses qu'il y a quelqu'un sur la Terre qui est assez fou pour elle? Hey, chaque torchon trouve sa guenille. Ah, mais c'est pas tout le temps vrai, ça. Regarde-moi. Ma guenille est pas libre. Merci, mais je pense qu'il serait temps que tu changes de guenille. Ah ouais, penses-tu? Ça me fait peur, ça. Ah, c'est sûr que c'est plus troublant quand la fille est jeune, belle, libre. Hmm? Tu pourrais te poigner pour être sérieux? Ça, c'est épeurant. C'est épeurant, ça. Je voulais pas rester à coucher aussi. J'ai même pas de linge de rechange. Ah, j'ai pas pu résister. Tu dormais tellement bien. Puis c'est pas grave, on a le temps de passer chez vous. Ouais, mais j'ai essayé d'être à la course le matin. Oh, puis en plus, je me suis même pas démaquillée hier soir. Je vais avoir l'air de la fin du monde, là. Ben non, ça te fait bien du mascara tout autour des yeux. Mmh. Ça te donne une petite air cochon. Hey. T'es pas mal belle. Mmh. Madeleine. Pourquoi tu viens pas rester ici? Rester ici? Tu y penses pas, Gabrielle me tuerait. Est-ce qu'on va avoir peur de ses réactions jusqu'à temps qu'elle ait 40 ans? Non, non, mais c'est pas juste ça. C'est pas mauvais qu'on ait chacun notre place à nous. Si on était toujours ensemble, peut-être qu'on finirait par se taper sur les nerfs. Non. Moi, j'ai toujours envie d'être avec toi. Les journaux où tu viens pas, je traîne dans la maison. C'est terrible, je suis devenu dépendant. Oh, quelle horreur. Julien Champagne est dépendant. Ça se peut pas, toi. Sois sérieuse. Qu'est-ce que t'en penses? Mais je suis très contente que tu me le demandes. Fais tout chaud ici, là. Très heureuse. Mais je suis quand même pas sûre que ce soit une bonne idée. S'il y avait pas Gabriel? Mais il y a Gabriel. Besoin de faire attention, je suis réveillée. Ah, hey, vous. Mm-hmm. Bonjour. Mm-hmm. Vous êtes assez belles tous les deux dans le lit de même, là. Merci. T'as un gars chanceux, moi. Deux belles femelles comme ça dans mon lit. Oh. J'ai pas d'objection à te partager avec Bouddha, mais c'est la seule. Oh, c'est-tu plate, ça? Mm-hmm. C'est plate parce qu'hier, j'ai vu une belle petite Boston Terrier, là. Oh, étais-tu belle, toi, la face renfoncée, la queue en tire-bouchon. J'ai vraiment failli céder à la tentation, je te jure. Laisse donc faire. Trois dans le lit, là, c'est bien assez. En plus, vous ronflez aussi fort l'un que l'autre. Oh, non, non, non. Mm. Hey, Boud, on ronfle pas nous autres, hein? Ouais, pour moi, toi, tu rêves, tu nous entends ronfler, toi. En tout cas, j'aime encore mieux ça que entendre des ébats amoureux de Madeleine et Julien. Ben oui, mais écoute, ils ont beau déjà avoir été mariés, puis ils sont vieux, mais c'est pas grave, c'est normal qu'une fois de temps en temps... Je sais que c'est normal, mais ça me met mal à l'aise pareil. Mm. Il est resté ici, d'abord? Tu es malade? Quoi? Mm. Écoute, tu m'aimes? Je t'aime, on est bien ensemble, là. Si tu couches ici la moitié du temps, là, oui, qu'est-ce que ça changerait? Tu es bien trop petit? C'est temporaire, ça. Si tu viens rester avec moi, c'est sûr qu'on va déménager. Nouveau projet de condo, il était cœur, c'est le plus beau qu'on a jamais fait. Je pourrais nous en garder un. Hmm? T'es sérieux, là? Mm-hmm. Tu voudrais vraiment qu'on vive ensemble? Ben ouais, je suis sérieux, pas toi? Ben, je sais pas, je... Wow, tu veux vivre avec moi? Ben quoi?
Qu'est-ce qui est surprenant là-dedans? De toute façon, j'en trouverais pas une autre qui fait aussi bien avec Bouddha. Ah ouais, la couleur de tes cheveux, la couleur de son poil, tes babines boudeuses, ses babines pendantes, et son poitrail dominant. Toi, t'es... J'ai fini le match. Oh, ben maman, ça vient. Regarde, elle est là, maman. Oh. Hey, c'est pas trop tôt, hein. Je vais être en retard, moi, là. J'ai pas pris plus de temps que d'habitude. Ow. Bon, ben, fini de faire déjeuner les enfants, là, je vais aller prendre ma douche. Ben oui, vas-y. Oh, Félix, qu'est-ce que tu fais là? Oh, Pascal, t'aurais pas pu t'en occuper. Oh non, Félix, le maman est pas contente du tout. Ben voyons, chicane-le pas, il a pas fait exprès. Ben non, non, le chocolat lui est tombé dans le visage par polarité inversée. Viens, mon chéri. Oups, là, oups, t'es bien. Voilà. Allez, viens voir, maman. On va aller dans le bain. Viens-t'en. Non, non, après ma douche, hein. Hey, prends ta douche avec lui. Ben c'est ça, ça va prendre deux fois plus de temps. Lave-le donc dans le lavabo. Pourquoi pas dans le lave-vaisselle, tant qu'il y a... Non, non, non. Le temps que tu prends pour argumenter, c'est du temps que tu perds. Allez, vas-y. Ah. Non, non, si on avait deux salles de bain aussi. Ça doit faire deux ans que tu as commencé celle du sous-sol. Les tuiles que j'ai achetées sont rendues démontées. Ouais, ben. Tiens, mon chéri, va. Va. Papa va aller te rejoindre, là, j'arrive. Oui, ben, si elles sont démodées, là, elles vont faire pareil parce que j'en achèterai pas d'autres, moi. Je vais plutôt investir dans la main-d'œuvre. Tu vas faire finir la salle de bain? Oui, madame. Hmm. Tu veux-tu que je me renseigne pour un bon ouvrier? Je m'en occupe. Oh. Félix! Félix, viens-t'en, on va aller se laver, mon gars. Viens-t'en. Wow! T'es grand ici? Oui, hein? On va être bien. Ouais. Bien grand. Presque aussi grand que mon appart. Ricardo est parti? Ouais. Ouais, il m'a dit que j'allais recevoir les papiers de divorce par la poste bientôt, là. Ah, même pas besoin d'aller en Italie, hein? Fais juste signer. Pratique, à te marier à un juge quand tu veux divorcer. C'est vraiment fini. Ouais. Un autre échec à m'ajouter à ma longue liste. Mais je pense que celui-là, c'est le plus beau. Ah, tu poutes, hein? Après, t'es presque tous vus, toi. Je sais pas si c'est le plus beau. J'espère juste que c'est le dernier. Ouais, j'espère. Parce que là, je suis plus capable. Mademoiselle. Bonjour, Monsieur Bélanger. Salut, Christophe. Ça va bien? Ouais, super. Toi? Oui, merci. J'ai lu l'article que t'as conseillé de lire sur la motivation. Oui. Mais je comprends pas la différence entre les théories de contenu et les théories de processus. Ah, ben, je suis pas bien grave. C'est juste une façon arbitraire de classer les théories. L'important, c'est que t'as compris les différents facteurs qui influencent la motivation. Ouais, ça, ça va. Je comprends très bien l'approche coût-bénéfice. Je lis un chapitre, ça me prend une heure, ça, c'est le coût. Mais ça me permet de te parler 10 minutes, c'est le bénéfice. Non. Le bénéfice, c'est que tu risques d'avoir de meilleurs résultats à la fin de la session, si t'as bien compris. Bon, mais bonjour tout le monde. Excuse. Aujourd'hui, on va se pencher sur la description globale d'un travail. Ça, c'est extrêmement important parce que si on veut qu'un travail soit bien fait, il faut que l'employé sache exactement ce qu'on attend de lui. Alors, pour parvenir à la description globale d'un travail, on a besoin d'un système de classification. Alors, on avait signé une entente. Moi, de toute façon, pourquoi il me paierait une pension? Vous aviez signé une entente? C'est romantique. Non, c'est correct. Une procédure tout à fait normale, puis ça me protégeait moi aussi. De toute façon, je pensais jamais que je m'en servirais. J'étais tellement en amour. Ouais. Mais là, c'est fini, hein? Oh, je suis tannée de l'amour. Je veux plus jamais être en amour. Jusqu'à la prochaine fois. Ah, non, non. Il n'y en aura pas de prochaine fois. Faudrait peut-être te faire signer une entente. N'importe quoi. Oh, je suis tannée de pleurer pour un homme. Mais je vais-tu finir par le comprendre? Je vais-tu apprendre? On n'est pas fait pour la vie de couple dans la famille, hein? Oh, je parlerai pas si vite. Simon a peut-être trouvé l'âme sœur. Ou la guenille sœur. Qui ça? Hey, j'en ai manqué des bouts. Isabelle doit vouloir parler de Kim. On est allé prendre une bière une couple de fois ensemble. J'ai-tu le droit? Oh, ben, écoute bien, petit pote, là, ce que tu fais, pis avec Kim. Hein? Comme ça, Kim, pis toi. Hein? Comment ça se fait qu'à toutes les fois qu'on est les trois ensemble, on finit tout le temps par parler de moi? Parce que tu nous fascines. Oui, t'es le torchon le plus fascinant qu'on connaisse.
ici, ça va me prendre un lave-vaisselle. Bon, ça commence. T'as eu saut avec moi faire la vaisselle. Voyons donc. Les grilled cheese, ça salit pas. À bord de ça, j'en ai un lave-vaisselle, moi. Hein? C'est bien ça. Hé, ma petite Bouddha. Oh, oh. Oh, boy, ça va être bon, ça. Viens, ma belle. Oh. Garde-moi ça, toi. Tu fais pas ça tout le temps? Mais ça, hein? Une langue de chien, ça lave mieux que 10 lave-vaisselle. À part de ça, ça stérilise. Ah, oh, t'es dégueulasse! T'aimes ça? T'aimes ça, je suis pas dégueulasse? Tiens, ma belle. Ben, voyons donc. Tu sais bien que je suis pas sérieux, là. Je suis contente que tu veuilles qu'on vive ensemble. J'y pensais, mais j'osais pas te le demander, ça. Yeah. Si on va rester ensemble, là, j'exige que tu te retiennes jamais, OK? Tu te retiens pas si tu veux savoir quelque chose. Tu te retiens pas s'il y a quelque chose, c'est pas ton affaire. Tu te retiens pas si tu veux demander quoi que ce soit. Et surtout, tu te retiens pas pour avoir un orgasme. Ah! Ben ça, ça dépend juste de toi. Ben écoute, ben y a pas de problème à ce moment-là. Ah ouais? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, toi? Ah, moi? J'ai rien de prévu. C'est vrai, moi non plus. Oh! Hello? Oui? T'entends, Constantin? Oui? À quelle heure, ça? Tantôt? Pas de problème, moi, je vais être là. OK, merci bien. Bye. C'est qui, là? Qu'est-ce qu'il voulait? Là, il y a une job pour moi, ça, là. Ah, ouais? Ben, ouais. Moi, j'en ai une pour toi. Hein? Si, Carlos. No problema. En gracias. Salud, Carlos. Ouais. Non. Je te dérange. Ben non, pas toi. Tu sais quoi? Je vais te parler à Carlos. Puis si l'université m'accorde mon congé sabbatique... Ah, c'est ça, attends. C'est ce qu'il faut absolument que je te dise quelque chose avant. Grand Dieu, ça a l'air important. Je viens de recevoir un téléphone de Nathalie. Ma fille veut me voir, Julien. Elle veut me voir, elle veut me parler. Est-ce qu'elle t'a dit pourquoi? Ben, je m'en fous. Pourquoi? Je pensais qu'elle voudrait plus jamais me voir. Puis là, elle est ici à Montréal. Elle s'en vient à l'université tantôt. J'espère qu'elle ne prépare pas un autre de ses mauvais coups. Oh, elle. Julien. Non, elle est correcte, Nathalie. Mais en tout cas, elle avait l'air calme au téléphone. Regarde, est-ce que je vais pouvoir utiliser ton bureau? C'est parce qu'il y a toujours plein non, de monde dans correct, le oui. Okay. Merci. Madeleine, laisse-la pas t'embarquer dans toutes sortes d'affaires. Non. Ben. Oh, boy. J'ai donc pensé à toi. C'est bien fin, c'est juste que la petite rénovation de même, c'est pas vraiment dans notre genre, ça. Moi, ma compagnie, elle fait plus dans la grosse construction. Ça. Oui, je sais bien. Je sais bien, mais c'est pas que ta compagnie que je veux engager, c'est toi. Paraît que t'es assez bon. Je suis le meilleur. C'est ça que je veux, le meilleur. La seule affaire, c'est que j'ai pas beaucoup de temps libre en ce moment. Comme là, en ce moment, je devrais être sur un chantier en train de superviser une finition de fondation pour un bloc de mes appartes. Quand vous allez téléphoner, j'allais partir, là. Si j'acceptais de venir, c'est juste parce que vous êtes une connaissance. Ouais. Mais moi, si je t'ai téléphoné, c'est parce que je sais que je peux te faire confiance. Puis je sais que le travail va être vite fait et bien fait. Puis que ça me coûtera pas les yeux de la tête, bien sûr. Alors, t'es d'accord? C'est pour quand, votre affaire? Ben, si tu pouvais commencer demain, moi. Demain? Ben oui, j'ai déjà une bonne partie des matériaux, j'ai fait les murs de séparation, je sais exactement ce que je veux. Non. Un instant. Moi, continuer une job qui a été commencée par quelqu'un d'autre, ça m'intéresse pas pantoute, là. La moitié du temps, c'est tout croche, faut tout démolir, non? Il a quel âge, ton chien? Hein? Mon chien? Bouddha? Ben, 5-6 ans, pourquoi? Mais il reste une bonne dizaine d'années à vivre. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais si ça te coûtait rien de venir le faire soigner ici? Ça me coûte déjà rien, c'est Louis qui la soigne. Fais-le pour Louis, d'abord. Tu sais, c'est pas facile d'arriver à l'heure quand on a deux jeunes enfants puis une femme qui met une heure à se préparer puis juste une salle de bain. En résultat, j'arrive ici de mauvaise humeur. Et puis malheureusement, ce sont mes confrères de travail qui écopent. Non. Si j'avais ma deuxième salle de bain, Come on, là. Ben, hey, c'est pas une deuxième salle de bain qui va changer le caractère ou pas une douche de plus, ça vous prend. C'est un lavage de cerveau. Hein? Ah, non, je sais que t'aimes plaisanter. Toi, Louis m'a parlé de ton sens de l'humour. De la bouffe pour ton chien Bouddha pour toute sa vie. Pour mon chien Bouddha et tous les autres animaux que je pourrais avoir.
Non, ben là, faut pas exagérer. Je suis pas pour prendre un contrat à vie juste pour une petite rénovation. Écoute, c'est comme vous voulez, hein. Moi, une petite jobine comme la vôtre, j'ai pas besoin de ça. Moi, je peux vous référer deux, trois gars. Attends. La bouffe au prix du gros, puis les soins vétérinaires, mais pour 10 ans, pas plus. Je peux juste travailler les soirs et les fins de semaine. Il y a trop de jobs sur le chantier. Parfait. Ça marche? Mm-hmm. On va passer chez vous à soir, checker ça. Salut. Petite affaire avant de partir. Moi, quand je travaille le soir, la même, ça me prend de la bière. C'est parce que je suis plus efficace. J'espère. La bière. N'oubliez pas, hein, je ramasse votre travail la semaine prochaine. Bonjour. C'était super intéressant, Marie. Tu n'obtiendras rien de plus par la flatterie. T'es plus sévère avec moi qu'avec les autres. Je méritais plus que ce que t'as mis dans mon dernier travail. On discute pas de tes résultats, hein? De toute façon, je corrige en toute objectivité. Je sais même pas à qui appartient le travail. Ouais. Pour le temps que t'as mis à le faire, je trouve que tu t'en es très bien tiré. Hey, tu pourrais m'aider, toi, au lieu de me caler? Ah, ben, comme ça, Antoine Bélanger, tu fais pas les travaux que je te donne avec sérieux et application? J'ai honte pour toi. T'en donnes trop. Ah, je l'avais dit de pas prendre mon tour. Écoute-le pas. Moi, j'aime mieux ta méthode. Plusieurs petits travaux plutôt qu'un seul gros travail de session sur lequel tu risques de te casser les dents. Non, merci beaucoup, André. Têteux. Ah ouais, dépêche-toi, là, sinon on va être en retard au cours de Richard. Bye. Salut. 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 Bye. Toi aussi, tu vas être en retard si tu te dépêches pas. Ça va, je suis libre à la prochaine période. Ah. Ça te dérange pas, j'aimerais ça éclaircir encore un peu les théories de la motivation avec toi. Oh non, pour l'instant, j'ai pas le temps, là. Mais regarde l'horaire que je t'ai donné au début de l'année, hein. Il y a toutes les heures où je suis disponible pour rencontrer les étudiants. On dirait que tu m'aimes pas. Avec les deux qui viennent de partir, tu ris, tu fais des farces. Avec l'espèce d'illuminé qui se prend pour un poète, là, qui est jamais à la moitié des cours, t'as toujours du temps. Mais pour moi... C'est pas une question de sympathie ou d'antipathie, là. C'est une question de disponibilité, OK? J'ai une réunion, là, puis j'ai des choses à préparer. N'empêche que t'es pas pareil avec moi qu'avec les autres. Christophe, j'ai mis ça au clair dès le début pourtant, OK? Il y a 3 étudiants avec qui j'avais des relations qui existaient avant le début du cours. Là, ça change rien à l'évaluation que je fais de leurs travaux ni à l'attention que je donne à l'ensemble de la classe. Et là, si t'es pas bien avec ça, je peux t'aider à faire un changement de cours. Je voulais pas te faire fâcher, puis je veux surtout pas changer de cours. Si je pouvais, j'aurais des cours avec toi tous les jours. Non, 2 fois par semaine, c'est bien assez, merci. Garde, prends rendez-vous, ça, des questions qui se rapportent au cours, OK? Je suis assez contente de te voir. T'as l'air bien? Ben, je suis bien. Je me suis installée à Montréal pour de bon. Oh. C'est pas mal plus trippant que Trois-Rivières. Ben, ça fait-tu longtemps? Quelques mois. Oh, ben, t'aurais pu m'appeler avant. Mais j'étais pas trop sûre de ta réaction, puis j'attendais d'être placée un peu. Ben, comment ton père prend ça, lui? Oh, pas pire. Je pense qu'il est bien content d'avoir la paix avec sa nouvelle blonde, là. Oh, comment ça va avec elle? C'est une tarte. Oh, Nathalie! Toi? Ah, oh, je vais très bien, oui. Oui, oui, c'est ça. C'est le bonheur, là. Je m'en vais en sabbatique bientôt. Puis je me suis enfin décidée à écrire. Alors... Wow! C'est au bout! T'écris quoi, un roman? Oui. J'espère que ça parle pas de moi. Mais voyons, pourquoi tu dis ça? Il paraît qu'un premier roman, c'est toujours autobiographique. Après ce que je t'ai fait, j'ai un peu peur de ce que tu pourrais écrire sur moi. Je serais pas capable d'écrire là-dessus. En tout cas, pas tout de suite. Tu m'en veux encore? Nathalie, je t'en ai pas voulu. Jamais. Ce qui m'a fait mal, c'est que tu sois capable de faire ça. J'ai jamais compris ce que je t'ai fait de si terrible pour que tu me détestes au point de coucher avec mon amant. J'ai pas couché avec Renaud parce que je t'haïssais, maman. C'est moi que j'haïssais. J'étais pas bien dans ce temps-là. Je faisais tout pour me prouver que j'existais. En réussissant à te faire mal, je prouvais que j'avais encore du pouvoir sur toi. Que je comptais encore pour toi. Mais t'as toujours compté pour moi. T'es ma fille. Oh, ma petite puce. Oui, je vais les placer là-bas, c'est-tu? Oh non, pas elle. Quoi que... Bonjour. Comment ça va, Jasmine? Très bien. Simon est pas là? Non. Simon est parti dîner avec une femme magnifique. Tant pis, je m'en venais l'inviter. As-tu mangé, toi? Ouais.
Oh, c'est de valeur. J'ai plein de nouveaux potins, puis il y en a une couple que je voulais vérifier avec toi. Mais depuis quand tu vérifies tes potins, toi? C'est-tu vrai que Marguerite va s'ouvrir quelque chose avec Jean-Loup à Québec? Pareil, oui. Ça a l'air que c'est l'amant de Jean-Loup qui finance, puis qui déteste pas des petites fantaisies à trois, une fois de temps en temps. Mais ben, c'est fun. Jasmine, je vais aller dîner, moi. Non. Attends. Je voudrais que tu passes à la bande, tu sais, pendant l'heure du dîner. Ah oui, 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 c'est vrai. Oh, c'est vrai, nos bureaux sont en haut maintenant. Va falloir que je monte, tu m'excuseras, Brigitte. Hein? Hey, j'ai pas encore visité ça, moi, cet atelier-là. Une autre fois, peut-être. Oh, vous êtes chanceux, Simon et toi. C'est votre père, le mécène. À moins que ce soit ton riche italien qui te finance, Jasmine. Regarde, je suis associée dans l'atelier, hein, puis on se finance seul. Ah bon, et ton associé? T'es forte, hein? Simon, Olivier puis Jasmine, c'est un duo spécial. Sur le bord de l'inceste. As-tu fini de dire des niaiseries, ma belle Brigitte? Hein? Penses-tu que je ne sais pas toutes les cochonneries que t'as racontées sur nous quand mon frère t'a scrappé là? Ah, t'es la plus belle langue sale, la ville de Montréal, mais heureusement, il n'y a plus personne pour te croire. Les nerfs, mes mères. Je fais juste répéter ce que j'entends. Tu diras à Simon de m'appeler. Compte sur moi. Ah, oh. Puis un beau bonjour de ma part à Jean-Philippe, si tu le vois. Il paraît qu'il est très occupé avec Brita, le nouveau mannequin vedette de l'agence Flux. Ciao! Hey, je rêve! Comment ça se fait qu'elle est encore en vie, cette fille-là? Je la connais presque pas, j'ai envie de l'y truper! Mon hors-père, ça fait 2 jours que je suis séparée, puis même pas au courant. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il propose. Je sais pas si ça vaut la peine de faire autant de changements. Dans le fond, le problème, là, c'est pas le fonctionnement, c'est le manque d'argent. Ça, on le sait tous. Bon, faut que je te laisse, j'ai un coup. OK, bye. Salut. Salut. Ta réunion s'est bien passée? Oui. T'as pas dû avoir le temps de manger. Moi non plus, j'ai pas dîné, on pourrait aller manger ensemble. J'ai mangé mon lunch pendant la réunion. Un café d'abord? Ben, je m'en vais justement prendre un avec mon chum. Salut. Salut. C'est quoi cette niaiserie-là? Viens, viens. Hey! Wow, mais là, toi, c'est quoi que tu fais, là? Tu commenceras pas à jeter mes affaires, je suis encore chez nous, moi, ici, OK? Wow! Je sais que c'est chez vous, là. Je jette rien, je fais juste faire de la place pour décrotter le plancher. Ça pue le chien pis les vieux bossales ici dedans, mais là, c'était mieux rester dans ta crasse. C'est ton choix? Ok, Scott, excuse-moi, là, c'est juste, en arrivant, j'ai vu mes affaires dans le corridor, je pensais que tu voulais les jeter, j'ai pas aimé ça. J'aimerais ça les jeter, parce que ta Marilyn, là, elle est quétaine en mort, puis elle m'énerve. Mais je le ferai jamais sans t'en parler. Voyons, toi, Marilyn, elle est pas quétaine, elle design. Écoute, Gab, t'es bien fine, là, de nettoyer le plancher comme ça, mais j'aimerais ça que tu veilles pas toutes mes affaires à l'envers, ok? Finalement, ce que tu m'as dit à matin... C'est de la merde. Quoi, ça? Mais que tu voulais que je vienne vivre ici, puis que s'il y avait quelque chose qui me dérangeait, fallait pas que je me retienne, puis que... Ah, ça? Non, c'est pas ça. C'est juste que là, écoute... Tu me demandes de venir vivre avec toi, puis t'es pas sérieux? C'est le fun. Gab, c'est pas que je suis pas sérieux, c'est pas ça. C'est juste que moi, je pensais pas que t'allais tout prendre au pied de la lettre, là. Là, c'est... Tu fais dur. Gab, come on, Gab, panique pas, là! Gab! Gab, ton ménage! Puis, comment ça a été? Oh, très bien. Elle a beaucoup changé. Plus mature. Hey, tant mieux, tu dois être soulagée. Ah, beaucoup. Il y a plein de projets, elle est inscrite au cégep, là. Elle n'a pas voulu me dire en quoi. Elle m'a dit que c'est une surprise. Une surprise? J'espère que ça te dérangera pas trop. Elle tenait absolument à ce qu'on fasse un souper de famille. Un souper de famille? Ben oui, mon doux. Tu dis ça comme si je te parlais d'une bombe atomique. Elle avait juste envie d'être avec nous autres, de voir sa sœur, toi. Je pense que c'est une bonne idée, moi. Gabriela, elle ne voudra jamais. Oui, Julien. Oh, ça me ferait tellement plaisir, là. J'ai besoin de ça. Avoir mes deux filles autour de moi avec toi, c'est comme si toute ma vie se remettait en un seul morceau. Ben oui, mais Madeleine... Oh oui, Julien. Bon, c'est quand ce souper-là, là? Mais ce soir! Mais ce soir! J'ai aucune raison.
d'être là. Tu fais plaisir à ta mère? Je veux pas la voir, Nathalie. L'atmosphère va être pas mal plus respirable si je suis pas là. Nathalie a fait des conneries, mais paraît qu'elle a changé. Puis tu peux pas l'éviter toute ta vie, elle va toujours rester ta sœur. Aussi bien essayer de vous réconcilier. Je veux pas me réconcilier, Julien. J'ai pas besoin d'elle, puis c'est maudite histoire de fou. Puis tu sais, comme moi, il y a rien de bon qui peut venir de Nathalie. Ouais, t'exagères, là, c'est pas un monde. Oui. C'est une manipulatrice qui réussit toujours à faire payer les autres pour ses niaiseries. Pis, je te demande pas de vivre avec, je te demande un petit souper. Il me semble que tu pourrais faire un petit effort pendant 2 heures. Mais, tu sais ce que je pense de la famille reconstituée, hein? Ça me fait chier. Qu'est-ce que ça peut bien te faire, toi, Nathalie? T'es pas son père. Je le fais pour Madeleine. Mais ça fera pas plaisir à Madeleine si je suis là parce que ça va paraître que je suis pas capable de sentir ma charmante sœur. Oh, puis je suis pas capable de faire l'hypocrite, Julien. C'est pas ce que je te demande. Penses-tu que ta mère, elle sait pas ce que tu penses de Nathalie? Elle s'attend sûrement pas à ce que vous deveniez les deux meilleurs amis du monde. Juste un petit souper, Gabichoune. Si tu fais pas pour Madeleine, mais fallait pour moi. S'il te plaît. Je t'avertis, hein? Je me gênerai pas pour y dire ce que je pense. Puis ça m'énerve trop, là. Je vais y... Merci. Qu'est-ce que tu veux, Maryse? Tu pognes. Assume-toi. Ah ouais, je veux bien m'assumer, là, mais il me tape pas mal sur le système. Ben, c'est sur le bord du harcèlement, ça. Tu pourrais porter plainte. Non. Je suis pas encore assez grave pour ça, là. C'est juste qu'il est un petit peu dur de comprendre. Mais après ce que je lui ai dit ce midi, là, il a compris que son chien était mort. J'ai dit que j'avais un chum. Et puis tu penses que ça va le décourager? Ah, oh, ben j'ai eu l'air tellement bête, là. Je suis sûre que ça l'a découragé. Ah, oh, ça, c'est certain. Quand t'as l'air bête... T'as l'air bête. Oh. Tu dis n'importe quoi, j'ai jamais eu l'air bête avec toi. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre, là? En tout cas, si jamais il t'achale trop, là, on va y régler son compte. Oh, j'aime tellement ça quand tu fais ton macho, là. Mmh. Moi aussi. Arrêtez de me niaiser, là. Il est bizarre, ce gars-là. Tu l'as dit toi-même, André, c'est le genre qui est en psycho parce qu'il pense que ça va l'aider à régler ses bébites personnelles. Mais on n'est pas toutes là pour ça. En tout cas, si jamais il devient trop entrepreneur, je vais te l'envoyer, là. T'es pas mal convaincant, psychopathe. Je m'inquiéterais, moi, si j'étais toi, Antoine. Pourquoi? Je le trouve très normal, moi. Je comprends pourquoi Christophe m'inquiète pas plus que ça. Je t'ai peut-être côtoyé pire, moi. Ah, oh, c'est génial! On respire enfin! Oh, Dieu, je suis crevée. Remarque peut-être que je vais mieux dormir. Quoi, tu dors pas bien? Pas vraiment, non. Mais maintenant que Ricardo est parti, peut-être que ça va être mieux. Ça crevait le cœur les derniers jours, tu sais. Ou bien on s'engueulait, ou bien on braillait comme des bébés. Si jamais je peux faire quelque chose pour toi. Je sais que je peux toujours compter sur toi, Isabelle, mais là, faut que je me débrouille toute seule. Une grande fille. Oui, madame, une grande fille. 5 pieds 2? Oh, 5 et 9. Oh, le rêve! Salut. Qu'est-ce que t'as? Rien. OK. Mais malgré ton humeur charmante, tu peux encore te sentir un peu plus de bonne humeur parce que tu t'es sauvée d'une magnifique visite de Brigitte. Trop bien, ça. Hey, il y a sûrement quelque chose. T'as toutes les mâchoires crispées. Qu'est-ce qu'il y a? Y a rien, là. Je suis déçue. C'est... Vous autres, vous allez être contentes, par exemple, là. Ça marchera pas avec Marguerite puis Jean-Loup. Ils n'ont plus besoin de nous autres. Quoi, ils ouvrent leur propre boutique à Montréal, hein? Non! Volt les prend. Puis Gladys leur a trouvé un local chez un de ses nombreux contacts à Québec. Fait qu'ils feront pas faire leur confection ici. Ça, Marguerite me l'a pas dit en pleine face, là, mais je suis certain que ça fait partie du deal avec Gladys. Reprendre du dessert, François? Ah, oui donc, Joanne. Toi, Pascal? Oh. Non, merci, ça. Je vais pas reprendre tout le poids que j'ai perdu. Encore une fois, c'était délicieux, mon amour. Oui. Ah, ouais. C'est super bon, merci bien, hein. Je vous remercie de m'avoir invité. Là, je sais que c'est pas poli d'arriver chez le monde comme ça, à l'heure du souper, mais...
C'est parce que c'est le seul temps que j'avais à venir voir la job. Là. Je veux pas vous penser que c'est dans mes habitudes de m'inviter chez le monde de même. C'est juste que quand je suis arrivé, ça sentait tellement bon, je me suis dit, quand il y en a pour trois, pour quatre... Ouais, oui, oui, ça va. Ça va, François. Oui, oui, bien sûr. Quand il y en a pour quatre, il y en a pour cinq. Ben, hein? Bon, ça nous a fait plaisir. Hein, Pascal? Quoi? Ah oui, ben oui, ben oui. Bon, moi, vous allez m'excuser, mais je dois partir. Ben, tu t'en vas où? Pascal, c'est la réunion du conseil d'administration du Centre pour femmes en difficulté, comme tous les premiers mercredis de chaque mois. Ah, oh, j'avais oublié. Bon, oublie pas de donner le sirop à Félix après son bain. Et s'il reste du souper, tu le mettras dans un plat pour aller au... Bon, c'est correct, je suis capable de me brouiller. Oui, bon, à part de ça, je suis là, on va l'aider, moi, je fais que ça va être correct. Ouais. Bonne soirée. Oui. Bon. Allez, les femmes, hein? Ça... Et t'imagines toujours qu'on n'est pas capable de rien faire quand ils sont pas là. C'est normal, ça, Pascal. C'est à cause de leur instinct maternel. Quand on sait canaliser ça, c'est bien utile de se faire gâter. Bon. Bon travail. Salut. Bye-bye. Papa, est-ce que je peux regarder le royaume avec Félix, s'il te plaît? Ben oui, le dit bien sûr, mais pas trop fort, parce que papa, il faut qu'il discute avec le monsieur, parce qu'on va peut-être avoir une nouvelle salle de bain dans le sous-sol. Merci, papa. De rien, ma belle. Oh, it's cute. Bien élevé à part de ça. Oui, monsieur. La politesse chez moi, c'est sacré. Il y a trop de jeunes aujourd'hui qui savent pas vivre. Ça dit plus bonjour ni merci. Encore moins, s'il vous plaît. Ah, je suis bien d'accord avec toi. Politesse bien important pour moi aussi. C'est sûr, le coup, on va avoir des enfants, là. Ils vont être bien élevés. Ah ouais. Non, mais faut savoir être ferme. Ça, c'est pas facile. Regarde-moi, là, tu me connais. Louis, t'as parlé de moi, hein? Oui. On passe pour des airs bêtes. Oui, effectivement. J'ai pas une très bonne réputation à la clinique, mais ça, c'est parce qu'ils comprennent pas qu'en étant intransigeant, je leur montre, je leur apprends à bien travailler. Et puis en plus, après ça, ils deviennent meilleurs, plus efficaces. La satisfaction du travail bien fait, là, ça, c'est irremplaçable. Alors, je suis bien d'accord avec toi. Moi, m'en dire comme ce gars, tant qu'à faire de quoi, fais-le comme il faut, ben non, fais-le pas partout, t'sais. C'est ça que je me dis. C'est ça que je me dis, moi. Qu'un? Hein? Oh boy! Eh, Burslack, sais-tu que... moins pire que je pensais, hein? T'as rien aidé? T'es plus quasiment correct, toi? Je le suis correct! C'est les autres qui me font une mauvaise réputation. Je suis très sympathique. Ah, oui. Ben, prendrais-tu un petit digestif pour avoir un bon cognac qui traîne dans quelque part? Oh, ben, Burslack! Hey! T'es quasiment correct, toi, là, hein? OK. Gab, si tu viens de Pocket, il est sorti avec, il y avait une moto. Ah oui, lui. Ben, il se marie avec Cynthia. Elle m'a dit qu'elle allait t'inviter. Ah oui? C'est le fun, je vais y aller certain. Toi, Nathalie, as-tu gardé le contact avec tes amis, toi, reviens? Ben, je commence à avoir des travaux pas mal, fait que j'ai moins le temps de descendre. Des travaux de quoi? Vas-tu finir par nous le dire en quoi t'étudies? C'est super bon, le souper, Julien. Merci. Et hey, arrête de me faire languir. OK. Je pense que tu vas être contente. J'écris aussi, mais des scénarios. J'ai été acceptée en cinéma au Cégep Saint-Laurent. Wow! Mais ça, c'est trippant au bout. T'aimerais ça, Gab? J'ai des cours sur la composition de l'image, l'éclairage, le montage. J'ai même des cours de photo. Mais oui, mais Gabrielle va pouvoir t'aider. Elle a beaucoup d'expérience maintenant qu'elle travaille dans la vidéo. Hein? Ça va être une vraie famille d'artistes, ça, hein? De créatrices. Ah oui, Madeleine romancière, Gabrielle photographe, puis Nathalie cinéaste. Alors, on devrait porter un toast à la création. À mes filles. C'est vrai qu'on est une famille spéciale, exceptionnelle même. Tout le monde a l'impression d'être exceptionnel. Ouais, mais nous autres, c'est vrai. D'ailleurs... il faut que je fasse un documentaire. Puis j'ai décidé que ça allait être ça le sujet. Nous autres, vous allez toutes être dans mon film. Il n'y en est pas question. Pourquoi? Ça prendrait juste quelques heures de ton temps, mon plan est tout fait. Je peux te le montrer si tu veux. Non! Tu m'embarqueras plus dans tes affaires, Nathalie, c'est fini. Moi non plus, Nathalie, je veux pas. Oui, mais c'est super trippant, votre histoire. Un couple qui revient ensemble après 20 ans. Mon prof, là, il a trippé au bout quand il a entendu l'idée. Oui, mais t'aurais peut-être dû nous en parler, hein, avant.
Ben, je pensais que vous voudriez. C'est pas la fin du monde, là. Toi, t'as des tendances exhibitionnistes, pas nous autres. C'est cheap, ça. T'as pas besoin de ramener ça sur le tapis. Mais quoi, ça? Laisse faire. En tout cas, moi, c'est définitif. Compte pas sur moi. Et puis, j'apprécierais que tu discutes pas de ma vie privée avec tes professeurs, hein? Imagine-toi donc que ta vie privée, c'est la mienne aussi. Penses-tu que ça n'a pas de répercussions dans ma vie, ce qui se passe ici? Eh oui, c'est sûr, ça. On est une famille, hein? Alors, ce qui se passe dans la vie des uns, ça a des conséquences dans celle des autres. Parles-en à Jacques des conséquences. Il était déjà démoli que tu le laisses. Mais depuis que tu es revenu avec Julien, il est convaincu qu'il n'y a rien qui servit de bouche-trou en attendant de revoir l'homme de ta vie. Les conséquences de tes actes, là, c'est pas sur toi que ça retombe. C'est sur Jacques puis moi. Bon, assurément, faire pitié. Toi puis Jacques, là, vous êtes pareils. Toujours à pleurer sur vos malheurs puis à mettre le blâme sur les autres. En tout cas, Jacques, là, il a accepté de participer à mon film, lui. Il a assez de cœur pour vouloir m'aider. Mais oui, mais c'est pas qu'on veut pas t'aider, Nathalie, mais pas de cette façon-là. Mais pourquoi? Vous avez peur? Non, non. On n'a pas peur. On veut pas. Moi, j'ai peur. Je le sais bien trop comment ça va finir, ce film-là. Versons tous une larme pour Nathalie, l'enfant martyr, victime de cette famille dysfonctionnelle. C'est pas ça, pas en tout. Je veux pas régler de compte. Je veux juste raconter une bonne histoire. Puis notre histoire, c'est une bonne histoire. On sait bien. Avec toi, y a rien que toi qui peut avoir des bonnes idées. Mais j'en ai une bonne idée pour toi. Racontons l'histoire d'une fille qui fait exprès pour baiser avec le chum de sa mère, Ça va faire, là. M'en fiche. Je vais le faire avec ou sans vous autres, mon film. C'est pas un documentaire, c'est une fiction. Ah, ben c'est encore mieux, hein? Tu vas pouvoir arranger la vérité à ton goût. Tu comprends vraiment rien, hein? Je vais faire ça pour nous rapprocher, pour qu'on ait un projet en commun. Mais toi, t'as pas besoin de projet avec moi. Toi, tu t'en sacres complètement de moi. J'essaye, oui, parce qu'à chaque fois que je m'occupe de toi, ça me coûte trop cher. Écoutez, t'es toujours en train de... C'est assez, là. C'est assez. On pas besoin d'en faire un drame, là. C'est... Non, l'idée de Nathalie est pas mauvaise. Mais bon, Gabriel et Julien sont pas à l'aise avec le fait de se livrer devant une caméra. C'est tout à fait légitime comme réaction, ça. Nathalie, va falloir que tu trouves autre chose. Puis bon, ben, avec l'imagination que t'as, ça devrait pas être un problème. Hein? C'est sûrement. Prends le bord de Gab, puis aide-moi pas toi non plus. J'aurais dû savoir que ça finirait de même. Moi, j'aime ma femme. J'aime ma femme. Laquelle? Je suis un plein de maîtresse dans ta vie. Ah, des tonnes. Ça a l'air de rien comme ça, là, mais il y a quelques années, je ressemblais comme deux gouttes d'eau à Leonardo DiCaprio, moi. I was the king of the world. Faut pas faire de bruit, les enfants font de douche. Non, mais quand, après ça, j'ai rencontré ma femme. Mais là, je suis tombé en amour fou avec elle. Et puis, je suis fidèle comme un pape depuis ce temps-là. Hey, Leonardo, tu me poignes dans le dos, mais come on. Je suis une maîtresse. OK! Ah, c'est sûr qu'il y a beaucoup de madame jolie, de jolies madames qui viennent à la clinique me faire des avances, mais je résiste parce que je suis fidèle et puis j'aime ma femme aussi. La fidélité, là, c'est l'enfer, ça. Les femmes, elles se rendent pas compte à quel point elles nous briment dans notre nature, nous autres, en nous demandant d'être fidèles. Tu sais, c'est vrai, là. Pas un autre primate sur la Terre qui est monogame. C'est vrai, pas un, tu sais. Nous autres, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Parce que nous autres, on veut rendre le plus de femmes possible heureuses, OK? Eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent, les petites madames? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent juste nous brimer dans notre nature en faisant de nous autres des mottes pour se faire la vaisselle, s'occuper des petits. C'est tout. Moi, j'aime ma femme, moi, beaucoup. J'aime ma femme. T'aimes beaucoup ta femme. Moi aussi, ma femme. Tu sais, ça m'empêche pas une fois de temps en temps de mettre mon poing sur la table. Le matin, j'arrive chez nous. Elle t'arrête de laver le plancher, c'était sale. C'est correct, je la laisse aller, c'est sa job, tu sais. Ouais, ouais. Mais là, je me rends compte qu'elle veut jeter mes affaires. Hey! Un dit, oh, minute! Il y a juste le robin des limites à ce qu'un gars peut endurer. Ouais, OK. Tu sais, je disais, là. Qu'est-ce que tu disais? Wow, minute! Fait que là, elle sait, OK, elle sait, Gabrielle, elle sait que quand je dis quelque chose, elle a mieux de prendre son trou. Ça arrivera plus, tu sais. Oh, non, je peux te dire, il va faire de même.
Il te reçu du cognac, non? Ah oui. Parce que. Il est frite, non? Oh, oh shit. Oh. Non, mais c'est pareil pour ma femme aussi. Joanne, elle peut bien passer ce qu'elle veut, puis s'imaginer que c'est elle qui décide. C'est mais... toi avec Philippe Théo pour faire à ta tête. Non, ça, c'est comme la salle de bain que t'es supposé. Tu sais, que t'es supposé faire en bas, là? La salle de bain. Oui, oui, oui. C'est mon idée, ça. C'est mon idée à moi. Oh, en passant, je suis très, très content que tu viennes faire la salle de bain parce que, premièrement, ça va me coûter moins cher. Puis, deuxièmement, je suis sûr que ça va être bien fait. Je te ferai pas de la merde. OK? Ouh, t'as-tu des chips, quelque chose? Ça doit. Ouf. À quelle heure finit ta réunion, sa femme? Ah, je sais pas, parce que des fois, elle sort après. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, moi... Oui, je sais, j'aime ta femme. T'es sûr que tu veux pas venir avec nous? Non, 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 je te remercie, j'ai de la correction à faire. Je vais essayer de pas être trop sévère. Je peux te donner mon numéro d'étudiant, si tu veux. Le mien aussi. Non, 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 allez-vous-en, là, hein? Laissez-moi travailler. Oublie surtout pas que je t'aime. Puis moi aussi. Ah oui, c'est ça. Devriez étudier au lieu d'aller traîner des bords. Ben écoute, c'est exactement ce qu'on s'en va faire. On s'en va étudier la nature humaine sur le terrain. Ah ben, bonne étude. Salut. Salut. La nature humaine. Aïe, aïe. Je savais, Antoine, que t'avais oublié tes clés, j'ai... Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, j'avais le goût de te voir, puis je voulais te montrer ça. Il y a un article super intéressant sur la théorie de Maslow. Je connais très bien la théorie de Maslow, là, puis ça m'intéresse pas pour l'instant. Ça m'intéresse encore bien moins que tu sois chez nous, fait que... Hein. Pourtant, t'as rien contre recevoir des étudiants à maison. Je viens de voir sortir André puis Antoine. Hé, hey, ce qui se passe ici, ça te regarde pas partout, OK? Là, tu t'en vas tout de suite parce que tu vas avoir un gros problème. Je voulais pas te faire peur. Tu me fais pas peur. Je te laisse quand même la revue. À demain. Pourquoi faut toujours que ça finisse demain? Là, tu te mets pas ça sur le dos. Quand même pas de ta faute si Nathalie a des idées de fou. C'est pas une idée de fou si Gabrielle avait pas grimpé dans les rideaux aussi. Tu savais que c'était risqué d'inciter pour que Gab soit là. Elle l'a pas encore géré à l'histoire avec Renaud. Ben, qu'elle en revienne, là. J'en suis bien revenue, moi. Tout, c'est pas pareil. J'y pardonne tout à Nathalie. C'est pour ça qu'elle fait n'importe quoi. C'est fin, ça. Tu me dis de pas me sentir coupable, puis deux minutes après, c'est de ma faute. C'est tordu, tu sais. Génial. Tu sais ce que je veux dire. Hey, on n'est pas pour se chicaner, nous autres aussi, à cause d'elle. Mais elle, c'est ma fille. C'est Madeleine. C'est normal, tu prends sa défense. Oui, mais c'est pas assez. Je l'ai négligée trop longtemps. Je la laisserai plus en dehors de ma vie. C'est fini, ça. Elle boit difficile. C'est mon enfant, autant Gabriel. Je vais l'aider. L'aider? Oui. Je vais participer à son documentaire. Ça va encore le faire. Quoi? Je vais l'aider. Mais c'est quoi ça? Pascal Constantin? Pascal, où? C'est quoi ça? Je peux vraiment pas te faire confiance, hein? Oh, j'aime ma femme. Oh non, 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 non. Oh, oh. Ah! Oh, oh mon Dieu!